500 euros d'amende pour une gifle. C'est ce qu'a requis le procureur à l'encontre du maire de Coussorles, Maurice Boissard. Il était jugé ce matin au tribunal d'Avesnes-sur-Helpe pour avoir giflé un adolescent de 15 ans qui aurait insulté le maire lorsque celui-ci l'a sermonné de ne pas franchir un grillage communal. Le maire se retrouve devant le tribunal. À sa demande, c'est lui qui avait refusé en octobre dernier de payer les 600 euros proposés pour mettre fin au conflit. Alors aujourd'hui, on lui en demande 500. Pour le maire, c'est une gifle qui coûte bien trop cher. Il regrette qu'elle ait eu autant de conséquences. On l'écoute. J'étais coincé là, c'était la fonction de maire qui m'obligeait à la donner, cette gifle. Bien sûr, je le regrettais. Et des dizaines de fois, je suis rentré chez moi, mon épouse est là pour le dire. J'ai été au bord des larmes, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait là, j'ai foutu une baffe. 500 euros d'amende pour cette gifle, c'est un peu cher payé quand même. C'est une gifle qui coûte cher, hein. Ouais, oui. Ça me paraît adapté par rapport aux faits, c'est pas l'affaire du siècle. Et puis aussi par rapport à la personnalité, vous le savez, on juge quelqu'un en fonction des faits, de leur gravité et en fonction de la personnalité. Aujourd'hui, la personnalité judiciaire plaidait plutôt en faveur du prévenu. Le délibéré sera rendu le 17 février prochain.